Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de Centipède. Centipède est un shoot'em up dans lequel le joueur incarne un nain qui doit protéger son jardin des insectes. Le joueur doit donc combattre des chenilles et des araignées qui se déplacent de manière différente. Les chenilles sont au début unies et descendent d'une case vers vous à chaque fois qu'elles croisent un champignon les empêchant d'avancer. Lorsque votre tir atteint la chenille, le chaînon touché se transforme en champignon, séparant en deux morceaux la chenille, qui font alors chacun leur chemin. Le décor s'alimentant donc régulièrement de champignons, qui fait que les bouts de la chenille se déplacent verticalement plus rapidement, à moins que vous n'éliminiez également les champignons. Malgré le fait que l'on ne puisse pas se déplacer au-delà du premier quart de l'écran, ce jeu est le premier à proposer dans un shoot'em up un déplacement vers le haut, quand dans Space Invader par exemple on ne pouvait se déplacer qu'horizontalement. Le jeu a connu le succès et a été adapté sur de nombreuses machines de l'époque. Voici donc un aperçu des différentes versions. The centipede multiplies and divides and comes after you from every side, faster and faster, roll by roll. Peu de temps après la sortie de Centipede, une suite a vu le jour, appelée Millipede. Millipede propose de nouveaux ennemis, ainsi que l'ajout de la bombe DDT, une sorte d'insecticide tuant tous les ennemis pris dans le nuage qu'il émet. Mais Millipede a eu moins de succès que Centipede. Il existe également deux remakes. Le premier date de 1998 et est sorti sur PlayStation et Dreamcast. Dans celui-ci apparaît un mode campagne avec un scénario reliant les phases de jeu et des power-ups. Le second remake est sorti sur iOS et apporte notamment la possibilité de débloquer des armes ainsi que de nouveaux power-ups. Une suite a été développée pour la Wii et la Nintendo 3DS en 2011. Centipede Infestation. Dans un futur post-apocalyptique, le joueur contrôle Max, qui doit lutter contre des insectes géants. Pour cela, il est aidé de Maisie. Le jeu est de type run and gun et propose de nombreuses armes. Il est également possible d'y jouer en coopération. Il existe aussi un jeu de société appelé Centipede,
jouable à deux, dans lequel l'un des joueurs incarne le centipède et l'autre le tank. On trouve également de nombreux clones, tels que le jeu Mushroom Mania en 83. Dans l'album Pac-Man Fever de Buckner & Garcia, une chanson lui est également dédiée, c'est celle que l'on a entendue tout à l'heure. Pour rappel, cet album contient plusieurs chansons dédiées à des hits de l'âge d'or de l'arcade, nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Et on fait également référence à ce jeu dans plusieurs films, notamment très récemment dans le film Pixel, qui évoque directement le jeu Centipede lorsque les aliens reprennent le gameplay du jeu pour attaquer les humains. Ce jeu est aussi connu pour avoir été développé en grande partie par la seule femme qui travaillait chez Atari à l'époque, Donna Bailey. A plus tard, gameuses et gamers.